Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hush. On est avec les cas et comme je vous l'avais montré la dernière fois, l'objectif c'est de se faire des camas. Donc je vous propose un petit point justement où est-ce qu'on en est parce que ça avance pas trop mal. J'ai une petite vague aussi d'exo de ready. Donc comme je vous l'avais à peu près dit la dernière fois, l'objectif pour moi c'est de faire pas mal de déstockage, faire de la FM revente, tout ça. Et là, je pense qu'on va assister à l'une des dernières vagues exo. Enfin, avec là on a 100 items, genre on a un peu tout, on va faire, vous allez voir des jets encore une fois vraiment simples qui vont permettre de gratter en cas d'exo quelques sous-sous. Alors après sur certains on va pouvoir gratter un peu plus, par exemple les Bactrides, je m'embête tout le temps à faire des 20 d'ocri parce que je trouve que c'est rentable. Pareil pour les Russ où je vais viser le 12 de feu avec les 10 esquives parce que je trouve que c'est pas si dur à aller chercher. L'exo en vaut le coup en fait au niveau du prix de la revente. Donc voilà, on va se faire ça. Et puis dans la même idée je vous referai des vidéos un peu comme ça où on fera donc un peu de FM exo pour 100 en fait. Principalement de l'Overvita comme on a commencé à le faire ces derniers temps parce que c'est très cool, on live pas mal. Puis on pourra aussi faire du brisage que j'ai pas mal fait, là je peux vous montrer, j'avais une preuve de vente. Voilà ici, hop, regardez, on a une belle vente à 12 millions et du coup voilà on a 10 items, on a les anneaux que je commence à déstocker justement. Je mets toujours un anneau de chaque, l'idée c'est d'aller viser un G ok pour la revente, en gros un G pré-pointenta et l'idée c'est de gratter voilà quelques centaines de milliers de kamas par rapport au premier prix. Ça permet une revente assez cool, assez rapide et du coup c'est pas mal. Et puis derrière regardez voilà j'ai fait un peu de usage là avec revente instant et du coup c'est plutôt pas mal. J'avais tapé un 4000% sur le casque Volcan, je l'ai montré sur Twitter si jamais, n'hésitez pas, vous avez le Twitter juste en dessous si vous voulez aller follow évidemment. Du coup je vais aller chercher les petites runes, regardez j'ai 105 millions ici de runes, 36 sur moi, je vais prendre voilà des gars PA et on va se faire dans cette petite vidéo. On va discuter aussi un petit peu des vidéos sur la chaîne là parce que du coup avec le nouveau PC je vous jure c'est beaucoup trop bien, vous l'avez peut-être vu sur les lives si vous êtes passé, mais je peux reprendre pas mal de choses dont notamment sur Dove 2 la team de zéro, voilà je l'ai repris, j'ai commencé à reprendre les succès pour up. Alors je vais vous montrer, on s'était alors très rapidement hein, on s'était quitté du coup la dernière fois, ça remonte sur les Catali, on était genre 80 plus et là je suis allé jusqu'au 90 et il faut que j'up 190 pour les continuer. Donc voilà là je suis en train de faire tranquillement des petits succès donjons pour up 190 et puis derrière je pourrais continuer ça, il y aura le restuff et tout et du coup il y aura des vidéos sur la team de zéro qui pourront pop et ça fait plaisir du côté de Dove 2. Voilà on va continuer à parler d'autres choses juste après. Du coup allez on passe sur l'interface FM, on est parti. Comme je vous dis il y a un peu plus de 100, regardez si je me mets là, tac tac tac, voilà donc là on est à 100 et on a derrière voilà quelques petits tentas, donc on va dire qu'on a 100 tentas pour espérer voir, allez ça fait super longtemps là, peut-être un doublé quoi, sérieux, sachant que c'est pas, alors là pour le coup on a des bons petits qui peuvent se glisser sur les puits PO évidemment. Dommage, ça ferait plaisir. Mais ouais, sur les petits jets, franchement, bon, si tu me donnes deux exos, c'est pas volé, quoi, avec le temps depuis lequel j'en ai pas eu, comme ça, des exos, donc... S'il te plaît, le jeu. D'un fois, on avait passé rapidement sur la petite vague que je vous avais faite. Une petite bague lourde qui s'est vendue d'ailleurs. Hein. Rappelez-vous la dernière vidéo que je vous ai faite où je vous parlais du projet justement et que j'avais quelques petits tentas. J'ai tout vendu. J'ai vendu tous les items qu'on avait passés. Des overvitants, on a fait, je sais plus trop ce qu'on avait fait. On a fait la bague lourde. Et merci à tous, ça fait plaisir. Des kamas, une petite combattise de misère. Donc voilà, là, vous voyez, là où je m'embête pas sur tous ces items là, c'est qu'au niveau des stats, je fais du moins 5. Voilà, c'est très correct. D'habitude, je faisais sur les vidéos sans tentas. 150, au moins moins 4. Bon, c'est pas une grande différence, mais là au moins, voilà, c'est déjà très bien, c'est très simple à faire. Et du coup, beau petit G ici, avec 49 d'agi, peut-être plus un GR du coup. Et ça fait plaisir de combattre, c'est un bon item en plus, normalement, c'est pas mal de sous-sous. Les pilots à côté, ça serait un peu moins, même s'ils sont dans la vague. Donc, c'est cool. Ok, nickel. Nickel. Maintenant, on espère en voir assez vite en deuxième, ça serait vraiment bien. Pour continuer à faire des sous, les 16, là, vous voyez, c'est la sagesse que je néglige. Hein. C'est ce que les gens font pas mal. Sur les jeux un peu HDV comme ça. Et c'est très bien, voilà. ça suffit amplement pour gratter, voilà, par rapport au prix de craft, un bon petit prix. ça y est, les gars, ça y est. J'ai la chance qui est de retour, incroyable. Les camas, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais du coup, les camas, vous les voyez pas. Attendez, si je me mets ici, voilà, vous les voyez là comme ça. Je suis à 220, donc sachant que j'ai pas récupéré les camas, je dois avoir quand même quelques sous, quelques millions en banque. Donc ça, voilà, encore une fois, très simple. J'ai qui te prend pas trop la tête à remonter. Et on verra justement combien on pourra le revendre, mais ça devrait le faire pour gratter quelques millions. Et ça, c'est top, c'est ce qu'on cherche. Incroyable, super. Allez, du coup, je repars sur la FM et on continue. Excellent. Vas-y, hein, let's go pour le troisième, hein, depuis le temps qu'on l'avait plus fait. Même si, voilà, là, c'est vraiment en mode chill, comme je vous disais, petit jet de merde et tout. Ça me fait giga plaisir, hein, c'est vraiment le but, hein, on s'en fout. Hein. Bon, j'aurais bien aimé que ça le fasse sur la spéciale Grosjet, ça, hein, forcément, évidemment.
Mais ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Tac. Du coup, ouais, concernant l'exo aussi, je vous ai dit qu'on fera d'autres vidéos du genre pour voir l'avancée des Kamas, pour voir l'avancée de ce projet. Je sais pas jusqu'à où on va aller, j'avais dit l'objectif serait un petit milliard, ça serait bien, pour pouvoir faire tout ce que je veux faire. Mais du coup, on pourra refaire, on refera de l'exo, peut-être pas du coup en vague de 100 comme ça, je focuserai sur des systèmes qui sont vraiment rentables à mon goût, donc on verra ça au moment voulu. Mais je pense par exemple que je ferai des vagues avec des Russes. Les Tritons, je sais pas, il faudrait que je vois comment ça coûte. Là, vous voyez les Tritons que j'ai fait en 20 Dokri, qui m'ont pris la tête, elles, bah, elles vont pas passer. Là, par exemple, une petite bague lourde, ça prend une seconde. Vraiment, ça prend une seconde à monter. C'est incroyable. Ça pourrait peut-être passer. Et ça ferait toujours plusieurs, 10 millions comme ça, assez vite. Là, franchement, en plus, j'ai de la chance parce qu'on passe deux des meilleurs items. La convoitise et le ceste, même si c'est pas des gigagés. Ça va largement faire l'affaire d'HDV. Allez, petit Russ. S'il te plaît, Dofus. Ah, 9 soins là-dessus. Je fais, voilà, 12 dos, 10 soins, 10 esquives. Les stats, genre 66, 35 millimes, ça ira très bien pour l'HDV, quoi. Non, les pas de greffe. Les pas de greffe, vous voyez, par exemple, je les enlèverai. Parce que pour le coup, les pas de greffe, ça prend vraiment la tête à remonter. Même si, au niveau de la revente, c'est pas trop mal. C'est vrai que le pas de greffe c'est pas très agréable à remonter, donc je sais pas. Je sais pas si je les garderai, les bros. Allez, s'il vous plaît, un petit troisième. On arrive déjà, là on est sur les 50 dernières. Ça serait sympa un petit troisième. Depuis le temps. Allez, allez. Bon, du coup, parlons aussi des autres vidéos, du rétro, parce que là en ce moment d'ailleurs, bah ça. Je suis pas trop actif au niveau des vidéos, je suis un peu de stream. Mais là, voilà, on va pouvoir bien reprendre tout ça. Côté rétro, on a une vidéo Galga qui est en cours. Là, ce week-end, je serai pas là, donc il y aura encore rien pour ce week-end. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo-là, tranquillou. Comme ça, on est là, on peut parler un petit peu. Mais ouais, du coup, il y aura Galga qui, bon, si vous l'avez vu en live hier, là, moi, je vous parle, qui va reprendre. On a plein de belles choses à faire. Puisque maintenant je peux rejoindre Team et ça c'est incroyable. Allez, un petit troisième, please! Un cru-cru, une alliance corrupte ou un chevelu? Un petit chevelu là sur les deux, pourquoi pas? Ça va plus coûter grand-chose ça aussi, mais. Vas-y, on prend. Non. Allez, 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 allez! Envoyez le troisième! Ça partait si rapidement. Ah ouais, rien que deux, ça faisait 3 milliards d'années qu'on l'avait pas fait, donc. Je vais. Pas forcer plus. Même si je veux bien. Il reste un pilot aussi après. Allez, allez. Petite alliance corrup. Quelques millions en plus. Sur la fin, peut-être. Et non. Ok. Bon, ça va. Ça va. On est content. On a passé deux des meilleurs anneaux qu'on pouvait passer. On va les voir en HDV justement. Et puis, bah voilà. C'est encore une vidéo dans laquelle on va push les Kamas. Ça fait vraiment plaisir. Je vais aller juste avant en banque pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau des Kamas justement. Parce que ouais, j'ai rentré pas mal de ventes de runes notamment. Voilà, 50 millions. Et merci à tous. Et voilà, 270. Là, avec les deux exos, on va largement passer les 300. Et ça va continuer tranquillement. Je vais voir aussi du côté de l'HDV pour vous montrer rapidement. Voilà, je mets un anneau de chaque. J'ai aussi commencé à vendre forcément les exos, enfin les items des tentabrisages. Genre qu'on voit, enfin les torqués, les cacs, ouais, ceinture stri, hop de guerre, tout ça qu'on avait. Les capes carcinants qui partent toujours assez bien aussi. Je crois que j'en ai quasi plus d'ailleurs. Enfin bref, du coup. Hop, on y va. Le petit 16 de guerre. Donc on avait un petit 57-20. Bon. Ok, ben voilà le premier exo qui est au niveau du mien. Bon, qui est un peu mieux que le mien, du coup, vu qu'il a deux sagesse en plus. Mais j'ai regardé, les gars, il y a masse gens qui se permettent de mettre des 3% crit. Je suis choqué, genre pourquoi pas, mais. Mais bon, du coup, ça fait qu'on monte, voilà, la vingtaine de millions, donc ça, c'est bien. Voilà, 21 millions K, du coup, c'est pas mal du tout, franchement, pour ce petit ceste-là. Et le deuxième, c'était la convoitise. Est-ce qu'on est toujours sur des bons prix côté convoitise? Ça faisait longtemps que j'en avais plus passé. Donc, je ne sais pas, mais je pense que ça devrait être sympatoche. Et du coup, genre, ouais, je vais le mettre à 19,90. Et puis voilà, quoi, ça devrait le faire, tranquillement. Voilà. Hop.
Voilà. Bon, bah, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à like. En ce moment, les gars, niveau des vues et tout, c'est compliqué. L'été, c'est toujours là. Pas la bonne période, donc n'hésitez pas voilà, à soutenir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, bah, on se retrouve sur Dove 2 très vite pour de nouvelles vidéos au niveau des Kamas, au niveau de la team de Zéro. Et aussi sur Retro, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Avec, il y aura une nouvelle série et tout qui va arriver. Et aussi, d'ailleurs, petite tease. Je pense que semaine prochaine, je vous ferai la petite vidéo. Mais semaine prochaine, je pense qu'on va faire, on va mettre en place un concours EXO. Voilà, où vous participerez, vous ferez vos tentes exo avec moi, il y aura une giga vidéo, et puis il y aura des camas en jeu pour le plus bel exo, donc ça je vous redirai, mais ça devrait se passer la semaine prochaine, on va voir. Voilà, merci à tous, à la prochaine.